Et oui, forcément, le déconfinement n'est pas facile pour tout le monde, finalement. Après 2 mois, on a pris de nouvelles habitudes. Wouh ! Bravo les soignants ! Wouh 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 ! Bravo les soignants ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Ah bah, y a plus personne. C'est fini. Non mais franchement, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'on doit arrêter d'applaudir. Ça va me manquer quelque part. Comme tous ces challenges bizarres que je me suis mis soudainement à relever. Oh non ! Enfin, que je tentais de relever. Heureusement, j'avais mes techniques. Il y a un sentiment que j'ai ressenti pour la toute première fois. Quelque chose qui venait du plus profond de moi-même. De la jalousie pour mon chat. J'ai aussi développé de nouvelles peurs et de nouvelles angoisses avec ce confinement. Dès que je passe devant une photo de mon fils... Oh mon Dieu, j'ai cru qu'il était là, qu'il était rentré chez son père. J'avoue que c'était vraiment pas facile de gérer à la fois l'école à la maison, les activités de mon fils et en même temps le travail à 300% parce que eh bien, les spectateurs, les abonnés, les gens étaient devant leurs écrans et attendaient du contenu divertissant. Mais il y a du positif, c'est que finalement, j'ai renoué avec des notions que j'avais complètement oubliées. Tu préfères que je fasse un plan serré ou un plan large ? Tu, pronom personnel sujet. Moi ? Préfère adjectif du premier groupe en ER conjugué au présent que tu fasses subjonctif quoi un plan, hein, bah oui, c'est OD, du coup. Un plan large ou un plan serré, large, serré, adjectif qualificatif. Yes. Ouais. Et sinon, la tourne comment, la scène ? Tiens, en parlant de chat, mon assistante, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Avant, on se faisait des voyages, des tournages de folie, on se tapait des fous rires de dingue. Et puis avec le confinement, bah, du jour au lendemain, plus rien. C'était étrange. Alors le matin du déconfinement, quand je l'ai vue arriver... Je comprends pas ce que tu dis, chat. Traduction. Après le air guitare, le air bisou. On s'adapte. Oh ma chérie, je serai toujours là pour t'épauler. Merci maman. Ma chérie. Remarquez, il y a de nouvelles technologies et de nouveaux produits à inventer du coup. Et bah par exemple, un décodeur pour traduire ce qu'on dit à travers le masque. Bah oui. Je crois que les psys eux aussi ont un avenir devant eux. De nouveaux syndromes sont nés. Moi par exemple, j'aimais me poser devant la fenêtre et admirer l'extérieur. La beauté de ce qui nous entoure. Les feuilles des arbres qui bougent avec le vent. Les animaux qui sortent de leur cachette. Ces rues silencieuses qui retrouvent leur identité. J'étais en pleine conscience quand... D'un coup, je ne sais pas ce qui me prenait, je me mettais à lécher la vitre. Wow ! Je sais que ce n'est pas commun, mais que voulez-vous, c'est comme ça que j'ai réussi à sublimer ce confinement et à m'en sortir. Il y avait aussi ces petits plats cuisinés, déposés par les voisins devant ma porte. Ces moments privilégiés que j'entretenais avec mon fils et qui nous ont encore plus rapprochés. Ces moments en tête-à-tête, déculpabilisés avec la tablette de chocolat, car je savais ne pas être la seule. Ces anciennes amitiés avec lesquelles j'ai renoué. Le confinement était un moment à part avec ses difficultés et ses richesses, ses anxiétés et ses prouesses. On a appris à vivre autrement, à développer de nouveaux sentiments. Purée, je fais des rimes. Mais je crois surtout que cette période nous en a appris beaucoup sur nous-mêmes, sur nos proches, sur les autres. Et il faut en tirer de belles leçons de vie. Bon déconfinement à tous !